Si vous êtes un CIVB, un conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux responsables, alors vous devriez demander officiellement la suppression et l'interdiction des CMR. Je suis en position difficile. Vous représentez ici le bien et je représente le mal. Je regrette la production bio produit moins que la production pas bio. Voilà. Ce n'est pas en mettant des chevaux dans les vignes qui sont sympathiques, hein. C'est joli, c'est charmant, mais je crois à l'innovation. Nous avons besoin des pesticides pour éradiquer la faim dans le monde, où le bio produit moins. Voilà, c'est des choses qui font partie du marketing des firmes qui est très puissant et qui a réussi à s'insinuer dans nos cerveaux. Ne croyez pas que le CIVB y ait des médecins. On n'a pas de médecins, ça n'est pas compétent pour donner l'agrément au produit pour savoir si le produit est bon ou pas pour la santé. On pousse nos viticulteurs à ne plus utiliser de CMR et on a de plus en plus de programmes sans CMR, oui, tout à fait. On n'est pas maso, arrêtez de croire qu'on a envie d'empoisonner, de tuer la planète. Et arrêtons d'expliquer qu'aujourd'hui, c'est l'agriculture et la viticulture que l'on développe, elle est rentable. Non, non, elle coûte de l'argent. Elle coûte de l'argent en termes d'emploi, elle coûte de l'argent en termes de santé, elle coûte de l'argent en termes de destruction de l'environnement. Et lorsqu'on comptabilisera ce que les économistes appellent ces externalités négatives, on s'apercevra qu'on aura beaucoup plus d'intérêt à entrer dans une autre logique. C'est ça que vous devriez expliquer.